Eh bien, salut tout le monde, c'est Diane Pompier et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, ça sera mon top 3 des jeux les plus attendus de l'année 2015. Donc, c'est mes jeux les plus attendus. Donc, les jeux que je vais avoir. Les jeux que j'ai choisis, peut-être ça va pas vous plaire, peut-être ça va vous plaire. Leur classement, peut-être ça va pas vous plaire, peut-être ça va vous plaire, mais en tout cas, c'est mon classement. Chacun a son classement. Mettez le classement que vous préférez dans la description, comme ça j'aurai à peu près les avis de tout le monde. Comme ça je pourrai un peu varier sur ma chaîne YouTube quand ils vont sortir. Voilà, donc mettez-moi les meilleurs jeux que vous aimeriez que je vous fasse des vidéos dessus prochainement, enfin quand ils vont sortir quoi. Mettez-les-moi dans les commentaires et on va tout de suite commencer avec le numéro 3. Donc en numéro 3 j'ai décidé de mettre BO3, donc Black Ops 3, donc Call of Duty Black Ops 3. Ce jeu va sortir en novembre. Donc rien à dire sur ce jeu. Ça va être un Call of, ça va être un peu plus futuriste que BO2 je pense. Car il y a, je crois qu'on peut monter sur les murs. Il y a des espèces de mains que vous voyez là. C'est plutôt pas mal, j'espère que ça va pas trop embrouiller le Call of normal, enfin le Call of classique, hein, que tout le monde aime. Mais on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Je vous laisse la fin du trailer. How far can we push technology? I could not foresee this thing happening to you before it starts pushing back. On va passer à la deuxième place. Donc à la deuxième place j'ai décidé de mettre Assassin's Creed Syndicate. Donc comment dire, je vais vous mettre le trailer et je vais vous parler de ce petit bijou, on va dire, que nous propose Ubisoft. Donc voici à la deuxième place Assassin's Creed Syndicate. Je crois que ça se dit comme ça. Donc Assassin's Creed Syndicate, un truc comme ça je pense. Victory, parce qu'il a marqué Victory côté. Donc je sais pas comment il va vraiment s'appeler, mais je pense que c'est ça sera plutôt Syndicate. Donc en anglais, je sais pas comment ça. Avec l'accent et tout ça, ça doit se dire différemment. Et je le dis en français, moi. Moi, je vais vous laisser le trailer. Et on va passer à la première place. Leave it.
Donc à la première place, j'ai décidé de mettre Star Wars Battlefront. Donc il va sortir le 1er décembre. Donc je vais vous mettre le trailer. Et on va un petit peu analyser le jeu ensemble. PEGI 16. Donc voilà, le trailer commence. Tout d'abord, regardez comment le jeu est très beau. C'est magnifique. Franchement, les personnages, on dirait des personnages de film carrément. Donc, moi, je vous laisse apprécier ce trailer et moi, je reprends tout de suite pour la suite. Je viens de terminer, on va dire, le classement de mes jeux attendus pour 2015. Je vais tous les acheter hein, à Noël, bien sûr. Mais je pense que je vais prendre Assassin avant Noël. J'ai toujours fait ça, de toute façon. Pour tous les Assassins, je les ai pris avant Noël parce que je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. En plus, Assassin, il sort en novembre, je crois. Ou septembre, je sais plus. Il sort beaucoup plus tôt que Battlefront. Donc Battlefront, ça sera vers fin Noël parce que voilà, c'est le 25 hein, où on déballe les cadeaux quoi. Et donc vous aurez après vous aurez, je pense que vous aurez regardé des vidéos sur ce jeu avant que vous regardiez ma vidéo plutôt, mais bon c'est toujours bien ça, vous sachez que je vais faire des vidéos sur ce jeu et voilà quoi. Donc il y aura sur ma chaîne en septembre, novembre et décembre. Donc septembre il y aura du Assassin's Creed Victory, donc le nouveau qui va sortir, donc le nouveau à Londres je crois. Il y aura du BO3, très attendu. Et il y aura du Battlefront, Star Wars Battlefront. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc si vous avez un truc à me dire, n'hésitez pas dans les commentaires. Je fais aussi une petite dédicace à Coco le sapeur et Antoine le sapeur. Donc voilà, dédicace à eux. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous reprends pour une prochaine vidéo. C'était Dizek.